cette classe de première, donc c'est les jeunes qui sont normalement dans un groupe U17, mais là, certains, la moitié à peu près de cette classe sont surclassés dans le groupe U19. Voilà, parce que les performances sportives sont bonnes et pour pas les limiter dans leur développement sportif, ils sont basculés dans le groupe sportif supérieur. Mais par contre, en classe, ils sont sur la même tranche d'âge. Pour cette classe de première, l'objectif, c'est le bac français, COEF 10, et coefficient 5 pour l'écrit et 5 pour l'oral. Donc je sais que bon, l'écrit sera un petit peu plus compliqué pour eux, mais à l'oral, ils sont plutôt bien préparés. Ils ont l'habitude de parler avec les cours de média training et le concours d'éloquence qu'ils ont fait l'année dernière. Donc l'oral, c'est plus facile pour eux. En général, les notes sont meilleures. Donc aujourd'hui, la séquence va être divisée en deux parties. 14h, 14h45, cours sur l'offre et la demande, poursuite de notre séquence. Ensuite, de 14h45 jusqu'à 16h, vous avez donc une épreuve de droit sur la personnalité juridique. Ils ont un planning aménagé, donc avec à peu près deux tiers du temps d'un élève de lycée classique. Ils sont à 17-18h, les autres sont à 27. Mais la différence, c'est qu'ils sont sur des effectifs réduits, donc on peut estimer que ce déficit d'heures est compensé par un effectif très restreint, en dessous de 10. Prix d'équilibre est déterminé sur un marché. Il est nécessaire de revenir sur la loi de l'offre et de la demande, puisque la détermination du prix d'équilibre résulte de cette loi. Et tous les jours, il y a un produit, parfois, il est lancé, le lendemain, il est enlevé. Il n'a pas trouvé preneur. Et donc, il a une croissance, une maturité, un déclin et une mort. Sur lequel on va y ajouter quelque chose de très important, c'est que ce produit, il va se trouver en plus avec de la concurrence. S'il prend des sujets qui ne nous intéressent pas trop, ça va un peu nous ennuyer. Du coup, il essaie de prendre des sujets pour qu'on soit vraiment à fond dans son cours. Et oui, par exemple, quand on parle de concurrence, ça fait allusion au terrain. Et oui, plein de choses comme ça. Il va commencer à avoir un temps de jeu, c'est sa croissance. Temps de jeu qui peut être au départ assez limité, hein, pourquoi pas. Son temps de jeu va augmenter. À un moment donné, bah, il va passer titulaire. Et sa maturité, est-ce qu'il va être titulaire pour un match? Ou alors il va être titulaire pendant peut-être 6, 7, voire 8 ans et faire une carrière assez exceptionnelle. Et évidemment, l'âge n'aidant pas, vous aurez certainement l'expérience, mais vous serez quand même sur le déclin. Et évidemment, un concurrent va arriver, on l'a vu la semaine dernière, on en a parlé, hein, il suffit de se blesser, une blessure assez longue et quelqu'un va prendre votre place. Et bien c'est la concurrence, une nouvelle offre qui arrive. Vous êtes sur le déclin et à un moment donné, vous arrêtez votre carrière. On est dans un double projet au sein de formation, enfin triple, sportif, extra-sportif et scolaire. Du coup, c'est toujours bon bah, d'être bon à l'école, d'être concentré et d'avoir un bon comportement. Alors, comment s'est passé les vannes? Bien. Le mardi et le jeudi soir, de 18h30 à 20h, c'est un temps d'étude. Donc qui nous permet de vérifier le travail qu'il y a à faire et aussi de rattraper par rapport aux absences les jeunes en sélection, les jeunes qui ont été sur des rendez-vous médicaux, pour bah, Warren qui est chez le groupe professionnel qui n'est pas toujours là en cours. Donc on est sur toute cette organisation et là on est sur aussi l'aide aux épreuves de bac qui arrivent, donc c'est de faire le point sur les textes, enfin tout le matériel qu'il faut pour le bac. Ils sont répartis par classe dans leur salle de cours et c'est les enseignants qui vont de salle en salle pour les aider s'ils ont besoin. On a une classe qui est en média training. Là voilà la classe de seconde qui est en train de faire son travail. Si vous avez besoin, il y a les profs. Alors là, il y a une autre classe de seconde. Oui. Salut Julien, ça va? Bonjour. En anglais. Bonjour. Donc avec un enseignant qui va vous aider. Donc Erwan qui passe son bac avec un enseignant d'histoire. Et sur le grand oral, vous travaillez? Oui. Prépa.
prépare au bac de français qui arrive bientôt. Donc ils ont une épreuve écrite et ils ont l'épreuve orale. L'écrit, c'est un petit peu plus compliqué à travailler parce qu'ils ont besoin d'avoir du temps nécessaire pour pouvoir se pencher sur les extraits. L'oral, c'est beaucoup plus simple puisque les textes sont déjà travaillés en classe et ils vont tomber sur un des textes à l'oral. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler ça sur l'heure et demie qu'on a ensemble à l'étude. Surtout nous, ce qu'on va faire, en binôme, c'est de faire des fiches de révision sur tous les textes. Vous avez 30 minutes pour préparer un des textes. Donc quand vous allez arriver le jour de l'oral, on va vous dire bon bah, tu tomberas sur ce texte-là, par exemple de l'homme de la Bruyère. Et vous allez devoir vous pencher sur ce texte pendant au moins 30 minutes pour ensuite faire l'explication linéaire de ce texte. Vendredi, on va aller visiter une école primaire. C'est dans le cadre de Paris 2024, l'école du Parc des Princes d'ailleurs, pour le nom, qui est une symbolique. En fait, c'est un jeune Naoki qui, pendant le Covid, a versé ses salaires de joueurs. Comme il ne jouait pas, il a estimé qu'il ne méritait pas ses salaires puisqu'il ne jouait pas, il ne s'entraînait pas, il n'y avait pas d'école. Donc il a donné ses salaires à la fondation. Et donc on souhaitait un peu du coup mettre en avant cette initiative qui est quand même très valorisante pour ce jeune et donc de l'emmener pour Paris 2024, montrer quel est le quotidien d'un sportif de haut niveau pour des jeunes, des élèves de primaire, une classe de CM2 en l'occurrence. Je pense que c'est important pour ces jeunes de toujours avoir un regard sur l'extérieur, à l'extérieur du centre parce qu'ils vivent qu'entre eux. Mais en fait il y a une vie autour de ça, il y a une réalité et qu'ils puissent aller dans une école, voir comment des jeunes vivent, eux, ces expériences, le foot, l'image qu'ils ont des joueurs du Paris Saint-Germain. Ça permet de se rendre compte de l'image qu'il peut avoir en tant que joueur du PSG par rapport à des jeunes. Et puis, ça permet de faire des actions aussi pour sensibiliser nos joueurs de la chance qu'ils ont aussi d'être là, quoi. J'avais exactement les mêmes fiches accrochées là-haut, avec les épingles. Quand il y avait contrôle, la prof elle enlevait. Ah oui, c'est génial. Elle montait sur la chaise, puis elle enlevait ouais, les... Je me rappelle très bien. Bonjour. C'est pas parce qu'on est footballeur qu'on doit pas aller à l'école. Le footballeur doit aussi aller à l'école et doit aussi avoir des diplômes. Donc moi, je veille à ce qu'ils aillent à l'école et qu'ils réussissent leur diplôme scolaire. Je suis en terminale, donc l'année, elle n'est pas finie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de l'année, je passe mon bac. Ça veut dire que l'année, elle n'est pas finie. Quelles sont vos origines? Alors moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie. C'est à côté de... Vous allez regarder quand même. C'est là. Ah, et nous, on est où là? On est où? En France, là. Ah ouais. C'est ça. Donc ça fait loin un peu quand même. Ils ont posé beaucoup de questions. On a eu beaucoup d'interactions et en vrai, ça c'était bien. C'était important pour moi parce que de parler de moi, de ce que j'ai fait par rapport à Paris et surtout de les. C'était une petite prévention, on va dire, par rapport à leur avenir. Expérience à refaire, je pense. Il me dit des stats au fond. On est dans le système habituel, les 2-6 qui prennent le ballon, où ils trouvent ouvert avec le piston, ou alors cette passe en diagonale pour trouver où Isma ou Romaric qui a un peu décroché. Après Isma, vous connaissez la position Romaric, vous pouvez vous tourner, Hugo il s'engage d'un côté, de l'autre côté Vimoges, ou alors vous rentrez à l'intérieur pour trouver Ilyes et présence devant le but. Ilyes vient toujours couper au premier. Quand le ballon est sur un côté, ne va pas côté opposé. Reste côté du ballon pour pouvoir mettre au premier poteau. Et après, du plaisir. Battez-vous les uns pour les autres. Ok, les gars? Oui.
personnalité, prenez du plaisir et parlez-vous sur le terrain. Allez, 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 allez. J'aurais aimé que vous preniez encore plus de plaisir, plus de plaisir. Et après, avec les rentrants, pareil. Mais bon, on a fait le travail et vous l'avez fait en équipe, donc pour ça, félicitations. Et surtout qu'on vient d'apprendre, il y a Montfermeil qui a fait match nul, qui menait 1-0, qui s'est pas accroché contre Lille. On revient plus qu'à un point. Voilà. Et le week-end prochain, ils reçoivent Lens et nous, on joue à la maison contre Caen. C'est peut-être le match pour passer devant. Mais on a toute la semaine pour récupérer, travailler, et puis on verra tout ça. Voilà. En tout cas, félicitations pour la performance.
Maintenant, je vous l'avais dit, on se concentre sur nous. On a fait le travail, Montfermeil a perdu. Maintenant, on est deuxième. Si on s'arrête aujourd'hui, on est qualifié en plus. Mais il reste deux matchs. Il reste deux matchs. Là, vous allez couper une semaine avec les familles, vacances, avec vos amis, vos potes. On coupe. Et quand on revient, c'est un nouveau championnat qui commence à deux matchs.